Bon mercredi midi! Bon mercredi midi! Apprivoisons la solitude. C'est bien dur à dire ce mot-là. Il faut que je laisse ça de même ou. Moi, hein, tant qu'elle est en direct, je vais me montrer en 3, 2, 1. Est-ce que vous vous êtes ennuyés? Ouais! Faites la vague, s'il vous plaît. Je vais arrêter la musique. Tel un bon DJ, fade out. Bon mercredi midi. J'espère que vous allez bien. Assoyez-vous confortablement. Hey, si vous voulez me saluer en arrivant, c'est bien chic de votre part. Comme ça, je me sens moins seule. J'ai apprivoisé la solitude toutefois. On va en parler. Puis les subtilités. Allô, Denise. Allô, Pascal. Pascal, je pensais à toi tantôt. Je voyais le beau bracelet que tu m'as offert. Puis là, j'étais... Oh, je voulais le mettre, mais c'était... J'étais trop dernière minute. Puis... C'était trop. Mais j'y ai pensé. Et apprivoiser la solitude. Est-ce que vous qui êtes là en direct, vous aimez ça être seul? Un peu, des fois, beaucoup. Allô Nadia? J'aimerais ça savoir si vous autres, la solitude, c'est quelque chose, c'est une alliée ou c'est plus, c'est quelque chose de difficile. Allô, allô Karine? Ouais. Moi, pour ma part, la solitude, avant, pour moi, là, être seule, c'était, à vrai dire, une maladie. C'est vraiment une maladie d'être seule. Ah, j'aimais pas ça, là. J'aimais pas ça. C'était désagréable dans mon cerveau, dans mon corps. Il fallait qu'il y ait du bruit. Beaucoup de bruit. Toi, t'aimes de plus en plus, Pascal? Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est... Au fur et à mesure qu'on se découvre, au fur et à mesure qu'on crée de l'espace en nous, c'est là où on fait « OK, j'aime vraiment ça être seul. » Est-ce que vous entendez un bruit en arrière-plan ou ça va? Peut-être que vous ne l'entendez pas. Toi, Karine, t'aimes la solitude? C'est tellement un cadeau pour toi maintenant. Ouais. Là, il y a des subtilités là, dans la solitude dont on va parler. Puis qu'est-ce que ça fait aussi sur notre énergie? Parce que nous, on aime ça, la spirituality. Donc, je vais l'inclure également dans le live. Fait que si il y a des personnes dans votre entourage qui sont seules puis qui se plaignent de ça, partagez! On transfère le live immédiatement! Hello Jennifer! Bonjour Jacinthe! Puis pour semer des graines dans l'esprit, puis des fois ça migre jusqu'au cœur. Parce qu'il y a, j'ai sorti trois catégories de solitude. La solitude où je suis une victime! Je suis seule, personne ne vient me voir. Mon ex à la grand-mère, l'arrière-grand-mère Eugénie, qui est décédée, tu sais, c'était le genre de personne, là, « Ah, tu viens pas me voir assez souvent. » Mais dis-moi ça fréquemment, c'est sûr que ça va moins me tenter d'aller te voir, là. Ça, je nous souhaite tous de pas dire ça à nos petits-enfants, à nos enfants. « Tu m'appelles pas assez souvent. » Non, non, non. Bien, premièrement, est-ce que tu es une personne de bonne compagnie? Ça, déjà, ça peut donner un indice. Mais là, on parle de solitude. Fait qu'elle, elle se sentait bien, bien seule. OK, c'était vrai, elle était seule. Mais est-ce qu'elle avait entretenu des bonnes amitiés au fil de sa vie? Je ne croirais pas. Il y a ce type de solitude-là. La solitude de « Oh, pauvre de moi, je suis une victime, je suis seule par dépit parce que c'est pas de ma faute. » C'est tout le temps grâce à nous ou à cause de nous ce qui se passe. Fait que on peut le prendre du côté vraiment positif de « Wow, 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 on a un grand pouvoir » ou retomber dans la victime. « Ah,
Ah non, OK, c'est de ma faute. Je peux plus jeter ça sur le dos des autres. Avant que je sois consciente de bien des choses, c'était bien plus facile d'être aussi pas à l'affût de je suis maître de ma vie. Comme ça, je pouvais blâmer l'extérieur de ce qui se passait. Puis dans ce temps-là, moi, j'étais cette victime-là et ah, j'aimais vraiment pas ça être toute seule. Parce que ma compagnie, je la trouvais désagréable. J'aimerais pas ça être en ma compagnie. J'étais arc. Sauf, je me souviens quand j'étais enfant, j'allais cueillir des petits fruits. J'ai tout le temps aimé ça, là, dans le champ derrière chez nous. Fait que ça a tout le temps été. Je me sentais pas seule. Puis là, maintenant, je comprends pourquoi. Puis je vais en parler un peu plus loin. Puis sûrement que vous avez des petits indices là, de ce dont je vais parler. Est-ce que vous en connaissez des victimes de solitude là? Ah, mais personne vient me voir là. Pas besoin de nommer de nom là, mais juste me dire si ça fait partie un peu de l'entourage ou il y en a plus de ça dans l'entourage. Il y a également, on est une victime. On s'aime pas, fait que la solitude c'est vraiment pouiche. Et la troisième catégorie, on s'aime vraiment, puis on en a besoin de la solitude. Il y a Daniel hier qui écrivait, j'en ai besoin comme boire de l'eau. J'ai trouvé ça beau. Fait que santé tout le monde. Ah d'ailleurs, avant de continuer là-dessus. C'est la pleine lune actuellement, tu sais, il y a les répercussions 3 jours avant, 3 jours après. Là, on est le 15 juin 2022. Et pour ceux qui l'ont pas fait, qui ont envie de se libérer, tu sais, supposons que tu fais, ah ouais, c'est vrai, je suis peut-être un peu victime, que je me considère comme une victime, que je mets la faute sur les autres, je peux me libérer. Je me libère de cet état de victime. Je me libère de la peur de. Je me libère de l'impression de. Je l'ai. Tac, 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 tac. On écrit ça, on écrit ça. Puis ensuite de ça, pendant qu'on le fait, on s'est allumé une belle petite chandelle. Et ensuite, on vient brûler ce papier-là à l'extérieur. Idéalement le soir, quand la pleine lune est là, là. Puis après ça, un coup que c'est brûlé, puis pendant que ça brûle, tu sais, c'est vraiment de remercier de cette libération-là et ensuite on se remplit de gratitude de tout ce qu'on a déjà en ce moment. Puis là-dedans, dans la solitude, moi maintenant, je ne me sens plus seule quand je suis toute seule. Vraiment, je me sens super accompagnée, hyper accompagnée. Hier, je l'ai fait seule, cette... c'est comment on appelle ça, donc... Un truc de lune, là. Un rituel. Ce rituel, je l'ai fait seul, mais j'étais zéro toute seule. Parce que j'ai appelé les êtres de lumière, anges, archanges, animaux totems, maîtres ascensionnés, les ancêtres. J'ai appelé les éléments, eau, terre, feu, air. J'ai appelé les astres. Et ben, tu te sens comme enveloppé dans ce temps-là. Mais si, en ce moment dans ta vie, tu es comme la personne que j'étais avant, qui avait tout le temps besoin de bruit dans le cerveau, qui n'aimait pas être seule, ça fait pas partie de la réalité encore. Mais il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Éventuellement, quand on dégage, quand on crée de l'espace, on peut ressentir cet environnement-là. Fait que là, de remercier ce qu'on a déjà, puis après, de venir souffler la chandelle en guise de remerciement, puis on clôt le rituel. Puis quand j'ai fait ça hier, après, j'étais allée sur le terrain en avant, il y a un super grand tilleul, puis j'étais, ah, oh, je suis pas à l'aise d'aller me planter sur le bord d'un arbre, sur le bord de la rue. Puis hier, j'étais, oui, je suis à l'aise. Puis après ça, puis là, il y a mon chat qui était là, il ronronnait full fort, puis là, il regardait dans l'arbre, puis là, c'est clair qu'il voyait des choses. Puis, après, quand je suis rentrée dans mon bureau, qui adonne également sur l'arbre puis sur la rue, ben j'ai vu ma première luciole, la première luciole de l'année. Fait que quand on est à l'affût, qu'on n'est jamais tout seul,
jamais seule. Il y a tellement de signes, de synchronicité. La nature nous parle continuellement. Continuellement, elle nous parle. Il suffit de créer cet espace-là, de se donner du temps pour créer cet espace-là. Et ensuite, quand il y a l'espace qui est créé, on peut entendre, ressentir, voir, etc. C'est un peu comme si j'avais une pièce qui est super encombrée. Ma pièce est vraiment encombrée, puis je veux voir ce qu'il y a en plein milieu de la pièce, mais je ne peux pas y accéder. Je ne peux pas aller au centre de la pièce. Donc, je vais commencer à faire du ménage. Retire, retire. Crée de l'espace, crée de l'espace. Pour finalement voir que qu'est-ce que je voulais voir en plein centre, c'était la lampe qui est là. La belle lumière. Fait que c'est la même chose avec notre cerveau, notre environnement. Puis c'est s'apprivoiser. Pas juste apprivoiser la solitude, mais c'est de s'apprivoiser nous-mêmes, de trouver agréable d'être en notre propre compagnie. Puis ça devient vraiment un cadeau, comme qui le disait tantôt? Ah, Karine qui disait que c'est un cadeau pour elle, la solitude. Moi aussi, c'est tellement vital, vital, vital. Est-ce que je pourrais continuellement être seule, seule, seule? Eh non! J'aime le monde, j'aime vraiment l'interaction humaine. J'ai besoin d'un équilibre là-dedans. Là, il y a une chose qui s'est produite planétairement parlant, et j'ai nommé le COVID. Puis ça a fait qu'on a été beaucoup plus renfermés chez soi. Et ça a laissé des traces chez plusieurs personnes. Et il y en a qui ont plus peur de sortir maintenant parce que moins qu'on fait d'activité, moins qu'on sort, moins qu'on a envie d'en faire, et etc. C'est comme un gros cirque. Cirque, c'est un cirque. C'est un cercle. Puis à un moment donné, c'est de le briser, ce cercle-là, pour aller faire des activités avec des humains. Des humains, pas juste des humains derrière un écran. Fait que ça, il n'y a personne d'autre que nous qui peut le faire pour nous à notre place. Donc, si c'est de la solitude par peur d'aller à l'extérieur, là, c'est de se craquer puis d'y aller. Je me souviens, moi, là, tout d'un coup, j'ai eu le droit d'aller au resto, puis là, j'étais, hey! Ah non, j'avais comme, j'étais plus habituée à ça, moi. Je voulais pas. Fait que j'étais allée une couple de fois, finalement. Puis, expérience plaisante, quand même. Plaisante et désagréable, là, on va se dire, en tant que personne empathique, je ressens un petit peu beaucoup l'énergie des gens. Mais après ça, c'est correct. Hygiène énergétique, puis ça y est, là. Mais c'est de s'aider dans n'importe quoi, d'un extrême à l'autre. Si jamais être seul ou être tout le temps tout seul, c'est de venir équilibrer ça. Parce qu'à la base, on est des êtres sociaux, qu'on aime vivre en société. Et tel est le cas. Mais pour entendre notre intuition, qui est la petite voix également, pour connecter davantage avec nos guides, avec les êtres de lumière, les animaux de totem, les élémentaux de lumière. Moi, je capote et je connecte tellement. Puis, tu sais, je me regarde des fois de l'extérieur, dans le sens que je suis impressionnée du chemin que j'ai parcouru. Jamais j'aurais cru me sentir aussi bien dans ma vie, dans ma peau, avec moi-même, puis désirer être seule aussi, en équilibre. Donc, si tu m'écoutes aujourd'hui et tu fais ah, ouais, j'aspire à ça, mais je ne sais pas comment commencer, j'en ai aucune idée, c'est le brouillard là-dedans, c'est le brouillard aussi dans l'environnement. Tu as besoin de motivation. Je suis là pour t'aider. La semaine prochaine, sois là mercredi midi, je t'annonce l'ouverture d'une nouvelle cohorte de comment aiguiser vos dons. Et là-dedans, j'ai tout mis, ce qui m'aide à apprécier la personne que je suis, chose que je n'aurais pas cru possible, et à l'apprécier davantage. Puis j'ai eu des commentaires récemment comme quoi que y en a qui étaient OK, on le sait que tout le monde a des dons, mais avec la formation, ça lui a prouvé
qu'elle n'avait pour vrai. Fait que soit là, mercredi midi, j'ai donné un code promo incroyable, 111 $ de rabais. Du jamais vu. Ça va durer 12 ou 24 heures gros max. Fait que faut que tu sois là mercredi midi, je vais le dire verbalement, le code promo. Fait que ça, je t'en parle parce que moi, c'est quelque chose que j'aurais eu besoin. Puis là, c'est le fun, c'est l'été, là. L'été, c'est fait pour jouer. Mais l'été aussi, c'est tellement un beau grand terrain de jeu. Des fois, on fait, OK, j'ai vraiment chaud, là, d'être dehors. Ah, ouais, je vais m'installer, puis je vais écouter une vidéo de la formation, faire quelques exercices, puis là, tu le fais, puis là, tu as le temps de contempler, tu as le temps de ressentir. Tout est en effervescence. Fait que de se dégager comme ça, de créer de l'espace pour aimer la solitude. Sais, l'équilibre, là. L'autre fois, je parlais de ça. Je disais, c'est fascinant à quel point on est bon de marcher sur des pieds. Sur nos pieds. As-tu déjà remarqué ça? Voyons qu'on est capable de rester debout sur nos pieds. Pense à ça. Là, c'est normal parce qu'on voit tout le monde qui marche. On marche. Mais on l'a appris ça. On a appris à créer de l'équilibre pour se tenir. Puis on savait que ça fonctionnerait parce qu'on avait des exemples autour de nous. Donc, c'est la même chose dans l'énergie, la solitude et la richesse que la solitude vient t'amener. C'est encore, je reprends l'expression de Karine, c'est un beau cadeau à s'offrir. Puis personnellement, encore là, chose que jamais je n'aurais cru, c'est une nécessité pour moi d'avoir des moments seuls. Mais je suis jamais toute seule. Je le ressens full. Puis c'est tellement des êtres bienveillants que c'est agréable. Je trouve ça merveilleux d'avoir créer de l'espace en moi pour pouvoir ressentir tout cet amour inconditionnel, toute cette bienveillance. Puis ça m'amène à être bien à l'affût de ce qui se passe. Je te donne un exemple. Tantôt, j'étais allée marcher sur le bord de l'eau avec une amie. J'ai embarqué dans sa voiture. Et sur le chemin du retour, dès que j'ai entré dans la voiture, j'ai fait OK, il y a de quoi qui va se passer à droite. Je le sens. Je le sens. Fait que là, j'étais à l'affût. Là, j'ai appelé les êtres de lumière, protection, protection. Et je le sentais. Puis là, on a roulé comme 13 minutes jusqu'à ce qu'on roule sur le bord de l'eau. Puis à un moment donné, il y a une fourche. Et ici, quand on arrive sur la fourche, on est supposé d'arrêter. Il y a un stop. Nous, on roule 50-60 km/h. Et la personne arrive comme ça. Elle ne fait pas son stop. Pas pantoute. Elle continue à la même vitesse, puis il y avait quelqu'un d'autre qui s'en venait à contresens. C'était l'accident imminent, là. C'était... Mais moi, j'étais à l'affût. Elle le sentait depuis 13 minutes là-bas, là. Je le sentais. Fait que j'ai pu ressentir ça dans cet espace que je me suis créé et ainsi éviter un accrochage. Ça va jusque-là. C'est hot, là. Puis, ben c'est ça, Annie, là, j'étais, attention, là, je pointais la femme qui était là, toi, puis là, je lançais de l'énergie pour qu'elle nous voie, puis qu'elle arrête, puis à la dernière seconde, elle a arrêté. C'était l'imminence catastrophique. Mais tu vois, ça aussi, ça en fait partie de tout cet espace-là et l'accès à la solitude qui n'est qu'un leurre. Ce n'est qu'un leurre. Truc de magie. La solitude, ça n'existe pas en fait. Mais nous, en tant qu'humains, avec nos œillères d'humains, on croit que tel est le cas. Mais c'est jamais le cas. Fais juste te promener dehors. T'as-tu vu tous les êtres vivants qu'il y a partout? Oiseaux, écureuils, cerfs, marmottes, lapins, ah ouais donc. Et tous les élémentaux qui sont là également, il y en a des tonnes. Les guides, les anges, les archanges, il y en a, il y en a, il y en a
tout le temps tout plein. Puis on a tout le temps nos guides qui nous suivent. Puis là, on appelle les êtres de lumière pour qu'ils viennent nous aider quotidiennement. Je vais lire un peu ce que vous dites. Allô, Monique? Pascal, tu as de super belles plumes derrière. Moi aussi, j'en trouve toujours sur mon chemin. Mais des plus petites. Oui! Oui, je suis gâtée! Allô, Cécile! J'espère que tu vas bien. Tu parles de pieds et j'avais en tête d'écouter la formation dehors en faisant un petit bain de pieds. Ouais, j'en sens que c'est une bonne idée, ça. Puis en plus, les pieds nus dans l'herbe, wow! Ça réénergise vraiment fort. OK. Il m'est arrivé la même chose avec le stop pas respecté par un conducteur et moi, juste avant, j'ai ralenti, je savais pas pourquoi. Du coup, on l'a évité. Après, j'ai remercié. Ah oh, ouais, Pascal, hein? C'est tellement merveilleux. La vie devient si simple. Puis là, je le répète tout le temps, on va pas faire comme si la vie, c'est un long fleuve tranquille. Non, mais c'est les étapes, ils passent plus rapidement. Avez-vous bien dormi, vous autres, avec la pleine lune? Yeah! Moi, j'étais... Hello, ma cousine! Hey! Hello, hello! Fait que, voilà pour la solitude. Donc, observe dans ta vie. Est-ce que tu aimes ça être toute seule? Est-ce que tu es trop souvent toute seule? Est-ce que tu classes ça dans la catégorie « Je suis une victime, personne ne vient me voir. » Personne ne vient te voir. Va voir les gens. « Ouais, mais j'ai pas d'amis. Hein? » Crée-toi-en. Crée-toi-en et ou change ton attitude. Moi, j'étais un répulsif à humain avant. Mon énergie n'était pas le fun. J'aurais pas aimé ça être en ma compagnie. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Mais on attire la même vibration, hein? Fait que j'attirais des pas le fun non plus. Entre pas le fun, on se comprenait, puis on ne savait pas, on était heureux les creux, une bonne gang de victimes. Fait que de vérifier. Est-ce que tu aimes ça être seul? Est-ce que tu es une victime? Est-ce que tu es trop souvent seul à l'extrême, volontairement? Puis que, avoir un peu de contact humain, ça pourrait t'aider parce que c'est facile d'être tout seul. Il n'y a personne qui vient nous obséder, nous obstiner. Il n'y a personne qui nous obstine quand on est tout seul, nous à part nous-mêmes. Puis, tu sais, c'est un peu des manies d'éthique de personnes seules, là. Tu sais, comment on appelle ça, là? Des vieux célibataires, des tics de vieux célibataires, là. Ah non, moi, je veux voir personne, là, parce que faut que j'interagisse, je dois bien m'habiller. Non, hey, ça fait du bien au moral, là, de s'aider de même. Puis, c'est ça, c'est de vérifier. Est-ce que c'est un équilibre? Ça devrait tendre à un équilibre, comme quand on a appris à marcher. Que c'est quand on y réfléchit comme il faut, là, marcher sur des pieds, c'est quelque chose. C'est illogique, on va se le dire. Là. Toute cette grande affaire-là sur deux petits pieds, c'est illogique, mais on le fait. Donc, à chaque pas, on retient notre équilibre. Fait que dans notre vie aussi, c'est d'avoir cet équilibre-là dans toutes les sphères, idéalement. Puis des fois, on a des dossiers qui sont plus importants que d'autres. Puis ça, je vais en parler la semaine prochaine, là. Je vais faire un petit peu plus de live. Puis je vais en faire aussi jeudi soir prochain. Et les dossiers, pourquoi que des fois, on se trouve poche dans certaines situations, c'est parce qu'on a un gros dossier ouvert. On clôt le dossier, ça prend un mois, un an, deux, je ne sais pas. Puis après ça, on peut s'attarder à l'autre dossier. Fait que aussi, c'est d'y aller avec délicatesse puis bienveillance envers nous-mêmes. Fait que là, c'est un beau renouveau là, avec cette pleine lune-là. Là, une belle énergie de « let's go », on se choisit, on choisit de créer de l'espace en nous et autour de nous. Puis comme ça, on peut bien ressentir qu'on n'est jamais seul. On dirait que j'avais tout scripté ça. C'est assez beau, ça! Êtes-vous heureux? Est-ce que ça vous a fait du bien? Écrivez-moi. Oui, ça m'a fait du bien! Puis, ceux qui veulent m'encourager, écrire des commentaires, partager, liker, c'est ça. Puis, pour ceux qui sont curieux aussi d'aller voir, j'ai pas plein de pièces là, mais...
Je vais mettre le lien de la formation dont je te parlais tantôt. Pour que tu ailles lire ça, puis faire « Hey, ça va-tu me tenter, moi, d'embarquer dans le wagon la semaine prochaine? » Fait que, tu vas voir, c'est agréable. J'ai mis ça esthétique, puis je l'ai super bien détaillé, contrairement à la page d'avant. Ben, on appelle ça une page descriptive, là, qu'il y avait avant. Là c'est vraiment magnifique. Fait que, voilà. Ouais, ça t'a fait du bien, Pascal! Denise aussi, Natsu, ouais. Joanne, fait plaisir. Allô, Ginette, tu vas pouvoir le réécouter en rediffusion. Jacinthe, ça t'a fait du bien, ça fait plaisir. Fait que, à suivre pour mercredi prochain, ça va être, je vais être là, mercredi midi. J'ai plusieurs sujets. J'ai bien des affaires à dire, là. On dirait que ma pause de la semaine dernière, ça m'a vraiment craqué, puis je me suis ennuyée. Nadia, ça t'a fait du bien? Très positif pour poursuivre ma journée. Yay! Je suis contente! Fait que... et voilà, du coup, hein! Puis, ah! Oh, ouais! OK! J'ai un cadeau pour vous autres. Je vais le mettre en lien parce que j'ai une chaîne TikTok. Puis, il y a quelqu'un qui me posait une question par rapport à comment communiquer avec les élémentaux de lumière. Puis, là, je me semble que j'ai fait un podcast là-dessus. Tu vas voir. Je vais copier le lien. Puis, dans ce temps-là, j'essayais sérieusement de me familiariser avec mon... c'était un stabilisateur pour filmer. J'étais pourrie à souhait. J'étais vraiment pas bonne. J'étais pas capable de me filmer de plus haut. Je suis même tout le long. Là, on est, ça descend. Là, tu vas voir au milieu de la vidéo, je dis, pis, t'aimes ça, filmer de même? Mais en tout cas, mon propos, il est à propos pour ceux qui aiment bien avec les élémentaux de lumière, les esprits de la nature, comme aimant appeler. Fait que je te mets ça là. La vidéo YouTube, tu pourras aller voir ça. Fait que voilà. Puis là, je vais en profiter pour ouvrir la fenêtre, la porte, puis tout, parce que là, j'ai vraiment chaud, hein? Il fait chaud ici, hein? Ouais, c'est ça. Il fait chaud. C'est l'été. On aime ça. Yes! Avez-vous de quoi d'autre à rajouter? Je vous aime, on s'aime. Parfait. On aime ça être ensemble. Puis on a besoin aussi un petit peu de ça. So, I will be alone for a few minutes. Ah, OK, j'ai de quoi d'autre à dire. Quand tu reviens d'un endroit public, puis que tu es une personne comme moi, moi, quand je reviens d'un endroit public, j'ai besoin de m'isoler quelques minutes, là. Je sais pas, des fois 5, des fois 10, des fois 15, des fois 30, ça dépend de l'énergie environnante là où j'étais. Fait que si tu es ce type de personne-là, que tu rentres chez toi, puis que tu es un peu... ça veut dire que tu as besoin d'être seule, de te retrouver quelques instants toute seule. Fait que tu peux le dire, de nommer à ceux avec qui tu vis, je me retire quelques instants pour recharger mes batteries. Puis quand on nomme les choses, it's very wonderful. C'est vraiment merveilleux pour ceux qui comprennent rien de l'anglais. J'aimerais beaucoup connecter avec les esprits de la nature. Ouais, Ginette, tu vas voir, je donne comme la base pour le faire dans la vidéo. La vidéo, pour ceux qui m'entendent uniquement en audio, juste à chercher sur YouTube Karine Deneau EP, ça veut dire épisode, EP 155. EP 155. Et voilà! Fait que voilà, on se dit à mercredi midi prochain. Bye tout le monde, merci d'avoir été là. Ça m'a fait chaud au cœur d'être avec vous. À bientôt. Peace out. Je vais faire un duo humoristique avec ma fille. On va animer le bingo. Tu as quelqu'un dans la région de Saint-Jean qui a besoin qu'on anime le bingo pour des personnes âgées? Je dis ça de même. OK, bye.